C'est vraiment dément. Et si je peux vous donner un conseil, courez voir ça quand vous aurez une voiture. Je vous ai pas encore tout dit, les gars. Savez-vous que tous les coureurs meurent de jalousie devant ma voiture? Oui, parce que c'est une 86. Il y a que les amateurs pour ne pas connaître ce genre de modèle. Il s'en sera passé des choses cet été, hein, Takumi? Comment ça? Tu veux que je te dise pourquoi? Et d'une, parce que je me suis acheté une super voiture. Et de deux, parce que toi, tu as fait tes débuts dans le monde des coureurs. Voilà pourquoi. Bon, écoute-moi. Arrête un peu avec ça. 1, 2, 3, 4. Tu peux me dire ce que tu es en train de compter? T'aimerais bien savoir, pas vrai? Ben, je suis en train de compter le nombre de courses que t'as gagnées cet été. T'as commencé en battant la FD de Keisuke des Red Suns. Après, t'as battu la 32 de Nakazato, des Bad Kids. Et puis t'as continué en battant la EG6 de Shingo, au Deathmatch. Et en dernier, t'as battu Mako et Sayuki avec leur SIL 80, à Usui. Tu vois, tu as tout gagné. Un jour, tu y repenseras et tu te diras que ta légende est née pendant cet été-là. Et puis, t'as pas mal évolué, j'irais même jusqu'à dire que t'es un peu moins demeuré qu'avant. Ohé, t'as pas l'impression d'exagérer un peu, là? Allez, fais pas ton timide. Ce qui est important, c'est que tu continues à gagner, Takumi. Profites-en tant que je ne suis pas ton adversaire, parce que bientôt, je deviendrai le meilleur coureur de Gunma, et peut-être le meilleur coureur du Kanto. Un jour, tu verras, on m'appellera l'étoile d'Akina. Je m'emporte un peu, là, tu trouves? Dis, Takumi, comme on n'a pas cours aujourd'hui, ça te dirait qu'on aille faire un tour ensemble? Ben... C'est-à-dire que j'ai pas mal de travail à faire. Oui, mais on n'est pas obligé de rester longtemps. J'aimerais qu'on refasse une balade en voiture. C'était super la dernière fois. Je l'adore, ta voiture. Je sais bien que tu l'adores, cette voiture. Mais malheureusement, c'est la voiture de mon père. Tu m'avais pas dit que tu voulais t'acheter une voiture pour toi? Ça y est, t'as assez d'argent? Je continue de mettre de l'argent de côté, mais j'ai pas encore assez. C'est pas facile d'économiser autant d'argent. Il te faudrait combien? Ben, on va dire à peu près 1 million de yens. Un million? Et pour l'instant, t'as économisé combien? Je suis encore loin du compte. Dis, Takumi, imaginons que je décide de t'offrir ce 1 million de yens. Comment est-ce que tu réagirais? Hein? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tu me remercierais sans arrêt? Est-ce que tu penserais tout le temps à moi, hein? Dis-moi, dis-moi, ça te ferait quoi? Est-ce que tu serais un gentil garçon qui répondrait à toutes mes attentes? Est-ce que tu arrêterais de perdre ton temps avec tous ces petits boulots? Est-ce que tu serais fou de moi? Est-ce que tu m'adorerais? Oh, Takumi, je t'en prie, arrête!
J'espère que tu plaisantes. Tu sais, l'argent ne tombe pas du ciel. 1 million de yens, c'est une sacrée somme. Oui, je sais bien, mais c'était juste une supposition, tu vois. Je trouve que tu n'as pas beaucoup d'imagination. Je suis désolé, mais c'est trop loin de la réalité pour moi. On est tous d'accord pour dire que la technique de Takumi marche absolument partout. Ce n'est pas seulement de la technique. Pour rouler aussi vite sur un parcours qu'on ne connaît pas, il faut être un pilote né. Ce n'est pas possible autrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait drôlement plaisir de voir qu'une vieille 86 peut facilement mettre à genoux toutes ces belles voitures qui sont à la pointe de la technologie. Eh, dis donc, toi, tu changes d'avis comme de chemise. Il n'y a pas longtemps, tu criais partout que Takumi ne serait jamais aussi rapide sur les parcours qu'il ne connaît pas. Ouais, bon, ben ça va, tout le monde a le droit de se tromper. On a tous cru ça au début. On ne pouvait pas deviner que Takumi n'était pas un type comme les autres. Moi non plus, je ne le pensais pas capable de battre la SIL 80 de Mako à Usui. Qu'est-ce qu'il y a, Iketani ? Ne vous en faites pas, tout va très bien. Oh, ce n'est pas grave, je resterai Iketani, le conducteur solitaire. Tiens, tu parles comme Itsuki maintenant ? Je vous souhaite la bienvenue. Des fleurs ? Je suis désolé, mais vous avez dû vous tromper d'adresse, monsieur. Vous êtes dans une station-service, ici. Takumi, c'est pour toi. Oh ! C'est de la part de qui ? De Ryosuke Takahashi. Takahashi ? Ryosuke ? Des fleurs de la part de la superstar numéro 1 de Gunma pour Takumi ? Allez, donne, je suis curieux de savoir ce qu'il y a écrit là-dessus. Rendez-vous le 15 septembre à 10h du soir au sommet du mont Akina. C'est tout ce qu'il dit, il n'y a rien d'écrit d'autre. Oh, mais... C'est un... Il s'est enfin décidé. Alors comme ça, Ryosuke Takahashi veut te défier dans une course de descente à Akina. Qu'est-ce que tu vas faire, Takumi? Ça lui tombe dessus comme ça, il n'a plus qu'à accepter cette fois. Ryosuke fait partie des Red Suns. Keisuke, c'est son frère et il a déjà perdu contre Takumi. Pour eux, c'est le match retour. La revanche, quoi. Alors ce serait la honte pour nous si on se défilait. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, Takumi ? On dirait que tu ne t'amuses pas avec moi. T'inquiète pas, c'est pas du tout à cause de toi. Je sens bien que tu n'es pas vraiment avec moi. T'es sur ta planète. Oh, en fait, c'est comme d'habitude. Tu restes toujours plongé dans tes pensées. Faut pas te forcer pour moi. Si tu t'ennuies, on peut s'en aller. Non, c'est pas du tout ça. Je m'ennuie pas du tout, excuse-moi. Alors tu vas me dire tout de suite à quoi tu pensais. Sinon, je n'accepterai pas tes excuses. Comment te dire ? Je ne sais pas vraiment si tu peux comprendre ce genre de choses. Alors je rentre. Non, attends, d'accord, je vais t'expliquer. Un duel ? Oui. Ça veut dire que tu te bagarres ? Mais non, ça veut dire que je fais une course de voiture contre un autre adversaire. Une course de voiture ? Je suis très surprise, tu ne m'avais jamais dit que tu avais ce genre de loisir. Attends, je n'ai jamais dit que je considérais ça comme un loisir. Si je le fais, c'est juste parce que l'occasion s'est présentée. Pour le prochain duel, je vais devoir courir contre un type qui est très fort et très connu aussi. Tu vois, depuis ce matin, je n'arrive pas à me retirer cette course de la tête. C'est sûrement ce qu'on a l'habitude d'appeler la pression. Mais tu conduis très bien, Takumi. Je suis sûre que ça va bien se passer. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Si tu ne veux pas courir, tu peux refuser, non ? Non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu sais. Je ne sais pas si j'arriverai à gagner cette course. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne me défilerai pas. Oh là là, sacré Takumi, je te reconnais bien là, tu sais. Je parie qu'en réalité, t'as qu'une envie, c'est d'être déjà sur la piste. Tu as toujours un air détaché, mais je sais bien qu'au fond, tu as l'esprit de combat. Ce genre de caractère, tu vois, ça me déplaît pas du tout. Bon, on rentre? Oh, déjà? Mais pourquoi? On pourrait discuter encore un peu, tu crois pas? Oui.
Écoute, je voulais te dire que... Je sais pourquoi tu t'es battue contre les seigneurs du club de foot. Peu après que tu as quitté le club de foot, j'ai un ami qui avait tout vu qui m'a raconté ce qui s'était passé. Alors comme ça, c'est pour me défendre que tu t'es mis en colère, hein? Pardonne-moi. J'avais tout compris de travers. C'est pas très grave, tu sais. De toute façon, je ne vois pas ce que ça pourrait changer maintenant. Peu importe. Initial D. C'est la 86 de Takumi? Oh! Mais c'est qui la fille qui est avec lui? Les dérapages de Keiichi Tsutsuya sont vraiment impressionnants. Dis donc, t'as vu ça? Takumi, regarde cette série de photos. Takumi! Ohé! Takumi! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà à l'heure du déjeuner? Ah, espèce d'imbécile! Pardon, je me parle à moi-même. Ça m'arrive, des fois. Si je trouve que Takumi est bizarre en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire? Bizarre comment? Je sais pas, je le trouve plutôt songeur. Oui, bah ça c'est comme d'habitude. Oui, mais ce qui m'embête, c'est que j'avais l'impression que ça s'était un peu arrangé pendant les vacances. Je comprends pas ce qui lui arrive. En fait, je crois que depuis qu'il a repris les courses, c'est encore pire qu'avant. C'est peut-être parce que les courses le fatiguent. Faut pas oublier que c'était la première fois qu'il vivait ce genre d'expérience. Comme les cours ont repris, il s'est peut-être un peu relâché, voilà tout. Ça ne lui ressemble pas du tout de faire ça. Non, je crois plutôt qu'il agit comme si son esprit était parti très très loin. Et si ça s'arrange pas pour lui, tu crois qu'il sera capable de courir contre Ryosuke dans cet état? Mais au fait, est-ce qu'il a une copine? Mais pourquoi tu demandes ça? Parce que j'ai l'impression que ça lui pose un problème, cette histoire de fille. Une histoire de fille? Iketani était dans le même état quand il a eu son histoire avec Mako. Kenji, tu ne sais pas encore qu'il est interdit de prononcer le nom de Mako par ici? Non, vous en faites pas, c'est bon. Au fait, moi je l'ai vu avec une fille. Je plaisante pas, ils étaient tous les deux dans sa 86. Non! Tu dis n'importe quoi! Mais arrête, je t'assure que je l'ai vue et je peux même te dire qu'elle est plutôt mignonne. Takumi a une petite amie? Bah alors tout c'est clair, je comprends mieux pourquoi il ne rentre jamais avec moi en ce moment. Quelle enflure! Je le hais! Me faire ça à moi qui n'ai jamais encore touché la main d'une fille, c'est vraiment impardonnable. Ah oui! Cette fois on en est sûr! C'est à cause de ça! Vous pouvez compter sur moi. Ce soir, je vais lui faire subir un petit interrogatoire. Les coureurs n'ont pas besoin de filles, Iketani. Vous avez bien compris ça? Oh! Rappelez-vous qu'on est les conducteurs solitaires. C'est ridicule.
Bon alors, tu voulais me dire quoi? Je me demandais si tu me faisais pas des cachotteries à propos de Moggy. Tu sors avec elle depuis peu, non? Oui. Et alors? Je rêve. Attends, je cherche pas spécialement à le cacher. C'est juste que je ne vois pas pourquoi je devrais le chanter sur tous les toits. Je m'en fiche pas mal de tes excuses. Réponds plutôt à mes questions. Hein? Dis-moi jusqu'où vous êtes allés. Hein? Tu vas me répondre tout de suite. Vous êtes allés jusqu'où, toi et Moggy? Tu veux savoir? Si tu es mon pote, dis-le-moi tout de suite. Oh oui, ce qui fait attention à la route. Je vais parler. Dépêche-toi. Ben, dimanche dernier... Dimanche? On est allé... Oh, vous êtes allé où? On est allé au lac d'Akina. Oh! Itsuki, fais gaffe! Regarde devant! C'est pas de ça dont je te parle pour le moment. Si je te demande jusqu'où vous êtes allé, c'est pour parler des étapes avec les filles. Les étapes avec les filles? Bon, est-ce que par exemple... Est-ce que vous vous êtes déjà embrassé? Oui. Takumi! Ah! Mitsuki! Arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! Alors, c'est bien une histoire de fille. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? T'es bizarre en ce moment. Bizarre? T'es tout le temps plongé dans tes pensées. Tu réfléchis à un truc et je sais bien que c'est pas du tout ton genre. Tu as raison. Je mettrai ma main au feu qu'il est tout le temps en train de penser à cette fille. Si tu veux savoir pourquoi j'ai l'air bizarre, c'est parce que je n'arrête pas de réfléchir à ce qui va se passer après. Quoi? Ce qui va se passer après? Oui, après l'avoir embrassée. Non mais t'as pas l'impression que tu exagères un peu là? Je trouve que tu as un sacré culot pour venir me parler de trucs pareils. Tu sais bien que je suis un coureur solitaire, alors épargne-moi. Et moi je ne vois qu'une seule chose après embrasser. Quoi? Une chose? De quelle chose tu parles? La chose, il y en a pas 50. De quoi tu parles? Je comprends rien à ce que tu me racontes. T'es pas très clair quand même. Je pense bien à un truc mais... Enfin, bref. De toute façon on peut pas dire que la réflexion soit vraiment mon domaine de prédilection. C'est pas possible, ça. Cette fille ne lui sortira jamais de la tête. S14 de Kenta. Kenta est super rapide en descente. C'est parce que sa voiture, c'est une QS. Elle a pas de turbo. Ce mec est conseillé par Keisuke. C'est son entraîneur personnel. C'est l'élève du numéro 2 de l'équipe. Et la course contre les Night Kids, c'est à peine dans 2 jours. Je comprends pas comment fait Keisuke pour prendre le temps de s'amuser avec Kenta. C'est vrai qu'il a pas l'air de stresser beaucoup. Il est certainement convaincu que Nakazato n'est pas assez fort pour le battre. Moi, je le trouve plutôt en forme. Je trouve qu'il a un peu le même style de conduite que Ryosuke, non? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je crois que Ryosuke peut vraiment compter sur son frère en ce moment. Vu la manière dont ça se passe, Ryosuke n'a pas besoin d'aller faire la course à Miyogi. Keisuke, je peux te poser une question? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu lances pas un défi à la 86 d'Akina? Il faut absolument que tu prennes ta revanche. On devrait organiser une course retour à Akagi, tu crois pas? À Akagi, tu dis? Oui, exactement. Comme tu as l'habitude de courir ici, tu peux être certain que la 86 ne pourra pas te battre cette fois. Et si tu ne te décides pas à le défier au plus vite, eh ben c'est moi qui le ferai. Arrête un peu, Kenta. Pourquoi? Tu crois que je n'aurai aucune chance de gagner? Tu sais bien qu'en descente à Akagi... Le problème n'est pas là, Kenta.
Toi et moi, on fait partie de la même équipe et tu sais très bien que chez les Red Suns, il n'y a aucun coureur assez lâche pour se dégonfler et refuser de courir sur le terrain de l'adversaire. Ah, oui, je sais bien. Mais j'en peux plus d'entendre qu'on a perdu contre la 86. Je n'arrive plus à supporter tout ce qu'on peut raconter sur nous. Ce que je te propose, c'est qu'on aille faire une course sur un col où aucun de nous deux n'est connu. Allez, laisse-moi le défier. Un peu de patience. T'inquiète surtout pas. Quand le besoin se fera vraiment sentir, on mettra quelqu'un d'ultra compétent sur le coup et il ira défier cette 86. Fais-moi confiance. Oui, mais... Alors ça veut dire que Ryosuke va quand même... Il faut que tu sois patient. Notre priorité, c'est les Night Kids. Mais compte sur nous pour faire ce qu'il faut quand le moment sera venu. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Vous voyez, je l'ai cuisiné, il a fini par tout avouer. J'avais raison, c'était bien une histoire de fille. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser comme ça, il ne reste qu'une semaine avant la course contre Ryosuke. Je crois qu'on s'est mis dans une belle galère. Rendez-vous le 15 septembre à 10h du soir au sommet du Mont Akina. Quoi? La course contre Ryosuke? Non, c'est pas ça, c'est Takumi! Il est complètement obsédé par une fille à un moment aussi crucial! Une fille? Oui, Natsuki et lui, je suis sûr qu'ils font des trucs! Ils s'amusent à des jeux strictement réservés aux adultes! Oh non, il remet ça! Hein? Dans le prochain épisode d'Initial D, la montée! Ne le ratez pas!